Le ministère de l'Intérieur a fait connaître aujourd'hui le dernier bilan de l'opération régularisation des sans-papiers. 41 500 régularisations pour 39 500 dossiers refusés. Le ton monte entre Jean-Pierre Chevènement, qui se sent fort du soutien du Premier ministre, et une partie de sa majorité, Vert, Parti communiste, qui estime que sa politique est trop restrictive. Débat également avec certaines autorités religieuses, avec l'évêque de Bobigny, après que des dizaines de sans-papiers se soient installés dans plusieurs lieux de culte. Reportage Olivier Galzi, Yann Jiquel. L'attente est toujours les mêmes slogans. Par peur d'être expulsés, les sans-papiers de Bobigny ont quitté pour quelques heures leur église. L'église et son évêque coupables aux yeux du ministre de l'Intérieur, coupables de les avoir accueillis. Si un jour, il y a en France un gouvernement hégémonisé par l'extrême droite, l'évêque en rendra compte au jugement dernier. Cette phrase, prononcée hier par Jean-Pierre Chevènement, n'a pas laissé indifférent les sans-papiers de Bobigny. Sa déclaration n'engage que lui. C'est irresponsable de sa part. C'est irresponsable de sa part. C'est triste qu'un gouvernement tient des propos comme ça, à l'égard des Africains de sans-papiers. Directement visées, les autorités cléricales ont elles aussi répondu au ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai une parole de l'Évangile qui me vient tout de suite à l'esprit en entendant M. Chevènement. C'est la parole qui nous sera posée au moment du jugement. J'étais un étranger, est-ce que tu m'as accueilli? Et c'est donc le rôle de l'Église, non pas de résoudre les problèmes qui sont posés par les sans-papiers, mais de dire, attention, ces personnes ont une dignité qui doit être respectée. Cet après-midi, c'est donc sous la pression de cette nouvelle polémique que Jean-Pierre Chevènement a dû s'expliquer et tenter de convaincre une majorité plurielle de plus en plus divisée sur cette question de l'immigration.